Non, là, c'est un peu con, là. Bah, s'il n'y avait pas les bikes, moi, je veux bien. Avec les Posettes sans fosse, le deuxième sommet des Pyrénées. Je sais pas si ça passe plus haut là. Là, on est arrivé à un sommet où ils sont en train de préparer une course pour un trail. Donc il y a un hélico qui va arriver, pour l'instant on peut pas décoller le drone. Oui. Je dirais que ça va racler par terre. Censé prendre cette arête, mais j'ai l'impression que ça passe pas, donc je pars en reco. Dimitri, il aime pas quand je dis qu'il faut aller en reco. Généralement, ça veut dire plan foireux. Qui cherche les prises. Ça a l'air compliqué tout seul avec un vélo. Je le sens pas serein, le garçon.
Ouais, je pense que c'est chaud. C'est la semaine du passe-pas, quoi. Non, là, c'est un peu con, là. Enfin, s'il n'y avait pas les bikes, moi, je veux bien, mais... Bon, on a décidé d'y aller, là. Sinon, il nous faut tout remonter et pour reprendre un itinéraire de descente qui passe pas. En fait, j'ai pas peur de tomber, j'ai peur de faire tomber le bike. Ce qui est... Voilà, quoi. On n'a plus de joker, hein. Donc 50-50. Et sinon, moi, j'appelle les coucougnettes un ami. J'appelle Michel. T'appelles les coucougnettes à Michel ? Les coucougnettes à Michel. Michel, il passe en bike, lui. Bon, il essaye. Et sans gants. Et il se plaint qu'il est trop gonflé. Ah, là, pour passer ça, Michel, il met un bar, là. Bon, bah, on y va. Allez. Bon, là, faut le pied montagnard, on dit. D'ailleurs, t'as des pompes de merde. Normalement, ça tient là-dessus. On est en train de s'embarrer là. C'est bon pour toi là? Comment? Je te dis arrête-toi là, je passe, comme ça tu me balances pas de pierre. Mais je te dis go quand tu peux continuer. Ouais, c'est bon. Je sais pas comment ils tiennent aussi raides ces cailloux. D'habitude c'est pas aussi raide les pierriers. Ouais, Didi, on est les seuls vététistes du monde qui maîtrisons mieux le gabarit de nos vélos sur les épaules que quand on est dessus. Ah, je suis mort de sueur. Bon bah Didi, si tu m'avais dit qu'on allait passer par là, on a juste contourné la crête là. Par là. Moi je te dis, on trace tout pour où on en est. C'est le mec qui s'y connaît. Ouais, avec une carte au 50 millième, on voit rien. Par là. À peu près, hein. Fait quoi là alors? On trace. Il n'y a pas de sentier là. On trace. En même temps, on aurait dû s'en douter quand même. Freeride. Hein. Allez, freeride.
fais ta simulation là.